Alors voilà, on va maintenant mettre au point la programmation parce que pour les deux boutons lecture vert, il doit y en avoir jamais qu'un seul qui apparaît en même temps. Même chose pour les deux boutons pause. Alors on y va, vous activez le bouton vert de... Le bouton jaune, commençons par le bouton jaune, ce sera plus simple. Le bouton jaune qui sert à mettre en pause. En plus de mettre en pause la vidéo, il va gérer l'affichage de boutons. Donc, comme dans les scripts d'action, c'est afficher, masquer les boutons. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va déjà se masquer lui-même. Donc, le bouton pause, on met un œil barré en face du mot pause. Tiens, on a un bouton qui s'appelle 15. Ah, c'est le bouton rouge, sans doute, c'est... Ah non, à moins que ce soit... Attendez, il faut être clair ici. Hein. Reprise. Ouais. J'ai donné le même nom à deux boutons. Il faut que je précise. Avant de continuer la programmation, on va gérer les choses. J'ai fait une erreur. Donc, vous sélectionnez le bouton pause d'en dessous et vous allez l'appeler reprise, mais entre parenthèses, mettez pause. C'est le bouton pause, quoi. Et celui d'en bas, la flèche verte, à côté de reprise, vous indiquez que c'est le bouton lecture. Voilà, comme ça, dans la programmation, ça va fonctionner. Vous voyez? Il faut faire gaffe. J'avais fait la gaffe de donner le même nom à deux boutons différents. Et donc après, pour la programmation, c'est foireux. Donc celui-là, c'est reprise, bouton pause. Celui-là, c'est reprise, bouton lecture. Bon, donc je reviens à programmer le bouton pause qui sert à mettre la vidéo en pause. On était ici. Ah, ça va aller mieux là. Donc, le bouton ici qui sert à mettre en pause la vidéo se masque lui-même et fait apparaître le bouton qui s'appelle reprise, bouton pause. Ben oui, une fois que j'aurai appuyé sur le bouton pause, il n'a plus de lieu de. Il y a plus de raison qu'il soit là. Il a fait son job. C'est l'autre bouton qui doit apparaître. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ce bouton pause est cliqué? Bon, ben, il se masque et il affiche l'autre bouton pause. Mais il doit également afficher l'autre bouton de lecture, reprise bouton lecture, celui-là. Et il doit masquer le bouton de lecture, celui du dessus. Ben oui, quand on passe en pause en ayant cliqué sur le bouton pause, le bouton lecture ne doit plus exister, sinon si les gens cliquent sur lui, ça va redémarrer depuis le début. Bon, ça va? Vous avez ça? Le bouton lecture barré, le bouton pause barré, le bouton reprise. Les deux boutons reprise qui s'affichent. Bon. Eh bien, testons ça. On enregistre. Je vous dis tout de suite, c'est pas fini, hein, mais on y va petit à petit. Normalement, on ne doit pas tester entre chaque coup, mais c'est pour qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire petit à petit. Bon, bouton lecture. Voilà. Bouton pause, quand on clique sur lui, il disparaît. Et le bouton lecture aussi. Quand on clique sur le bouton reprise là, voilà. Donc, il nous reste des choses à faire en fait. Hein. En tout cas, on a vu que quand on clique sur le bouton pause, il disparaît lui-même et le bouton de lecture original disparaît aussi.